আপনার নাম তো কি, আপনার বয়স কিমান, আর আপনি কোত কাম করে কখন? মোৰ নাম শ্রী পূর্ণা ডেকা, মই নল ডিপার্টমেন্টত কাম করো, মোৰ 30 বছর। এইবার আপনার নাম তো আর আপনার বয়স আর আপনার কেইটি লড়ি আছে কখন? মোৰ নাম শ্রীমতী সত্য ডেকা, মোৰ বয়স 25 বছর হয়েছে, মোৰ লড়ি 4 জন আছে। ডেকা, এইবার আপনি ce film a été réalisé à partir d'une étude menée auprès de plusieurs ouvriers de l'Assam, état de l'Union indienne, et situé à l'est du Bengale, entre le Pakistan oriental, la Birmanie et le Tibet. Le but était de cerner la façon de vivre, les difficultés, les projets d'hommes vivant encore en milieu paysan et confrontés aux conditions de travail dans une usine moderne. Badou Nadeka est ouvrier dans l'une des rares usines de la région. Il gagne 204 roupies, soit l'équivalent de 150 francs par mois. Le riz base de l'alimentation vaut en moyenne 1 franc le kilo. আন্ডাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ আৰু লগতে ঘৰৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই এই মিলত চাকৰি। Mon nom, Badou Nadeka, j'ai 30 ans. J'ai été à l'école jusqu'à la classe 10, 12 années en tout, et à cause de difficultés familiales, j'ai dû entrer à l'usine. Mon village s'appelle Nokola Palasungan. Ici, presque tout le monde est cultivateur et travaille la terre. Mon village comprend une vingtaine de hameaux et environ 80 familles. Il y a 4 hommes au village qui travaillent à la filature. Et parmi les autres, quelques-uns étudient et ceux qui sont adultes, ils cultivent la terre et 2 ou 3 travaillent dans des bureaux à Guwahati et ceux-là habitent à Guwahati. J'ai d'abord été embauché dans cette usine comme ouvrier. La direction a été satisfaite de mon travail et m'a promu au poste de chef d'équipe mécanicien. De cette manière, je travaille depuis 6 ans comme chef d'équipe et mécanicien. কথা সে কত যে ইংল্যান্ডর আমি জাগিরোদর সপনতে ফলিয়ালে মিলে জুলে
আজি খেনু অসমীয়াই কত জীবন খটুৱালে আজি সেয়া অসমীয়াই কত জীবন খটুৱালে হাজাৰ হাজাৰ বনুৱাই হাজাৰ হাজাৰ বনুৱে কত নহন কাটি কৰি কত নহন কাটি কৰি খেতি কৰে বাতি কৰি সকলোকে এৰি জুলি সকলোকে এৰি জুলি মিলাৰ সোমাওঁ মিলাৰ সোমাওঁ দূৰণিৰ চাকৰিৰ Le rêve lointain des jours d'autrefois paraît de la rosée. Il a pris forme avec ceux qui sont venus d'au-delà des mers. Dans le rêve de Jagirod, cela s'est matérialisé. Et tous ensemble, les assamés y ont engagé leur vie. Des milliers de travailleurs, repoussant la richesse, désertant les champs, abandonnant tout derrière eux, sont engagés dans le travail des pays lointains. Oh, le jardin des fleurs, le travail de la filature. Comment pourrons-nous recueillir les fleurs de ces pays de l'autre bout du monde ? Les petites bobines m'appellent tout près, les zim-zim des machines m'appellent tout près. Tout près, je m'approche. Je travaille depuis 10 ans dans cette usine et j'ai débuté en 1961. Quand j'arrive à 6 heures, je mets la machine à carder en marche et je demande à tous les gars de regarder s'il y a un problème. Et quand il y a une difficulté quelque part, je vérifie soigneusement et ensuite je fais démarrer les machines. Ceux qui travaillent sur le métier à filer peuvent commencer sans vérification, puisque chaque semaine, il est nettoyé. Et les gars font leur travail, et quand les bobines sont pleines, ils les changent. Quand leur travail est terminé, le contremaître vient et enregistre la quantité produite. C'est triste à dire. Quand j'étudiais à l'école, je suis tombé amoureux d'une fille et cette fille est devenue ma femme. Ma mère, mon frère et ma belle-sœur ne s'entendaient pas du tout avec elle. Ils m'ont fait quitter la maison. Je les ai suppliés sans relâche. Mais ils n'ont pas voulu écouter et je suis parti d'abord chez mon frère. M'ayant accueilli chez lui, ce frère m'a gardé pendant 4 années de suite, mais malheureusement, à cause de nos comptes, il s'est mis à penser que je dépensais trop de l'argent que je gagnais à l'usine ou que j'en gardais trop pour moi, et il m'a demandé d'habiter séparément. Quand on vient de la route et qu'on pénètre chez moi, on trouve d'abord la porte, sur la gauche l'étable et sur la droite la maison des invités.
De nouveau à gauche, le grenier à Padi. En face, il y a la cour, et un peu plus loin, on trouve la maison principale. Sur le côté droit, il y a le métier à tisser, et sur le côté gauche, le pilon à levier pour le riz. Cette maison comprend deux pièces et c'est là que nous habitons. Derrière, il y a la cuisine qui sert pour la préparation de notre nourriture. Ensuite, tout près, il y a un jardin potager et près de ce jardin, il y a un puits. J'ai environ 12 bigas de terre cultivable, c'est-à-dire 1,5 hectare. Et j'y cultive différentes espèces de riz. Ces terres sont situées en partie à 1 km du village, en partie à 1,5 km et en partie à 3 km. Je cultive cette terre pendant la saison sèche et je finis la récolte aux alentours du mois de mars. Je m'appelle Srimati Satya Deka, j'ai 25 ans, j'ai 4 enfants. Je me suis mariée à l'âge de 15 ans. Je suis allée à l'école jusqu'à la classe 3, 5 années en tout. Dans ma maison, ma famille propre comprend ma femme, deux fils et deux filles. Parmi eux, un étudie à l'école primaire et les autres, les plus jeunes, restent à la maison pour jouer. L'aîné a 8 ans. Ensuite, c'est une fille de 6 ans. Puis une autre fille de 4 ans. Et le dernier fils a 5 mois. Après mon entrée dans l'usine et la séparation avec mon frère, j'ai pris un serviteur pour s'occuper de l'ensemble des travaux des champs. Quand il tombe malade ou quand je travaille dans l'équipe de nuit, je cultive moi-même. Et si une difficulté survient, c'est moi-même qui m'en occupe. Je donne à l'homme qui travaille pour moi dans les champs 25 roupies par mois, en plus de la nourriture et de l'habillement. Je me fais actuellement 204 roupies par mois, c'est-à-dire 150 francs environ. Et j'achète avec, chaque semaine à la boutique, tout ce qui est nécessaire pour la maison, peut-être que l'huile, le sel, le dal, les pommes de terre, la poudre de riz. Pour ma nourriture, je dépense 50 roupies par mois. Pour tous les autres produits, tels que poudre de riz, sel, pétrole pour la lampe, huile pour les cheveux et tout ce qu'il faut pour allumer les lampes, je dépense en tout dans les 30 roupies. Pour mon fils, je dépense ce qu'il faut pour ses vêtements. Je dois acheter au marché le pantalon, la chemise et différentes choses comme les livres, les crayons. Et pour tout ça, je dépense dans les 20 roupies par mois. Il n'y a pas de droit de scolarité à payer. Je produis moi-même du riz. Quand la récolte est gâchée par l'inondation, je n'ai pas assez à manger pour toute l'année.
Quand je n'obtiens pas assez de riz pour notre consommation, je dois en acheter au marché, ainsi que de la farine et du dal. Actuellement, j'ai deux bœufs, deux veaux et deux vaches. L'une des deux est une vache laitière. Elle donne un litre de lait par jour. Et nous utilisons ce lait pour le thé et d'autres choses, et les enfants le boivent. Voilà comment nous nous arrangeons pour vivre. Je prends du thé le matin, du riz chaud à midi, du thé l'après-midi, quelque chose dans la soirée, et un autre repas de riz plus tard. Je prends du poisson une fois par semaine. Et chaque mois, quand je touche ma paie, j'achète de la viande ou du poisson au marché pour un repas. মাহেকত যেতিয়া দৰমহা পাওঁ তেতিয়া বজাৰৰ পৰা মাছ মাংস নাইবা মাছ কিনি লৈ যাওঁ আৰু তাৰে মই আহাৰ কৰোঁ Je me lève à 5 heures le matin et je balaye la cour. Puis je fais la vaisselle, après je me baigne, puis je prépare le riz pour ceux qui vont au travail, et après les avoir fait manger, je les fais partir. Je vais dans la cuisine à 9h30. Il revient du travail à 10h30, et après il prend son repas, se repose un peu. Il prend son thé et repart au travail à 1h. Après, je commence à tisser des vêtements, et quand le soir vient, je brûle des parfums après avoir rendu hommage à Dieu. Je fais la toilette de mes enfants, je les fais asseoir avec leurs livres et je les fais étudier. Je les mets au lit et je commence la cuisine. Quand j'ai fini, je l'attends. À 10h, il prend son repas et après 11h30, je vais me coucher. Comme autre travaux, je traie la vache, je fume le potager avec de la bouse de vache et je m'en occupe. J'y plante différentes espèces de légumes, aubergines, piments. Quand j'ai du temps, je vais quelquefois pêcher. En réalité, pour notre religion, il y a une croyance. Cette croyance consiste en cela que quel que soit le travail que nous faisons, il contient une chose ou une autre qui produit des fruits. Et que, comme notre religion est l'hindouisme, et qu'elle a été observée par nos ancêtres, c'est pourquoi nous croyons en cette religion et nous la pratiquons. J'appartiens à la communauté hindoue. Parmi les autres, il y a beaucoup de Lalung, Kassari, Mikir. Ils continuent à respecter leur propre religion. Il y a des règles dans notre religion hindoue, telles que les hautes castes et les basses castes, et les brahmanes, les ganaks, les gossins. En ce sens, ma caste est Shudra. Les gens qui sont les plus riches du village, puisqu'ils ont beaucoup d'argent, dès que quelqu'un doit vendre, ils peuvent acheter. C'est pourquoi ils ont beaucoup de terres.